Salut, moi c'est Jade et je vous parle YouTube. Donc je vais vous parler de YouTube, le monde à paillettes. Quand tout le monde croit que c'est super simple pour filmer une vidéo et on claque des doigts et c'est posté. Non mon ami, non, faut pas croire, il faut pas trop rêver non plus. C'est pas comme ça YouTube. Faut que tu prennes au moins 20 minutes pour faire une vidéo potable. Ensuite, après, tu dois faire ton montage. Le montage c'est quelque chose de super compliqué. Si tu veux pas faire un truc super long comme Enjoy Phoenix, une vidéo de 20 minutes où tu parles de tes cheveux, faut faire un minimum de montage. Si tu veux faire un minimum de montage, disons une heure. Si tu veux faire un bon montage où c'est super beau à regarder et que les personnes ne vont pas se désintéresser, bah il faut que tu fasses un truc, un bon truc. Il faut que tu prennes au moins 3-4 heures de montage. Je sais, c'est beaucoup, mais c'est vrai. L'argent sur YouTube, ça ne se gagne pas en claquant des doigts non plus. Ceux qui gagnent de l'argent et se désintéressent souvent de leurs vidéos et ils font des vidéos pour faire des vidéos, pas parce qu'ils aiment ça. Ensuite, les entreprises, les networks, les sponsors, tous ces trucs-là, ils viennent vous contacter, ça vient pas comme ça. Il faut faire du bon truc et ouais, il faut pas croire que l'argent sur YouTube ça vient comme ça, c'est pas du tout comme ça et je vous le dis tout de suite, je gagne pas d'argent avec YouTube. J'ai toujours refusé de demander à Network qui me disait oui Jade, on peut vous donner de l'argent et trucs comme ça. J'ai dit non, merci, ça ira. J'ai pas besoin d'argent, j'ai pas envie de gagner de l'argent avec YouTube parce que sinon je vais devoir faire des vidéos chaque semaine. Je n'ai pas envie de faire des vidéos chaque semaine pour avoir de l'argent. Les commentaires, il faut être assez mature pour répondre aux commentaires, pour répondre aux emails, pour répondre à tout. Il faut que tu puisses être assez mature pour confronter ces trucs-là. Faut pas que t'ailles sur YouTube, t'as 12 ans, 9 ans et tu dis ah tiens ça va être super simple et tout, tout le monde va me jeter des paillettes, ça va être trop cool. Non, 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 ça arrive pas comme ça. Les abonnés en plus non plus, ça n'arrive pas comme ça. Il y en a d'accord, ils arrivent à gagner 30 000 abonnés en 2 mois. Ouais, ils ont de la chance parce qu'ils sont amis avec des amis, ils ont des amis youtubeurs, beaucoup plus connus. Mais oui, il y en a qui prennent beaucoup plus de temps. Voilà, ça arrive pas comme ça YouTube, c'est compliqué. Il y a déjà une personne qui souvent qui me demandait oui Jade, comment tu fais pour avoir des abonnés, comment t'as des conseils pour moi pour commencer sur YouTube et tout nana. Mon slogan ça comme ça, c'est être original, c'est ne pas faire des vidéos ou genre comme des tags. Parce qu'une fois on est devenu demander oui Jade, pourquoi tu fais plus de vidéos normales? Et j'étais là, c'est quoi les vidéos normales mes chéris? Elle m'a dit des tags. J'étais là, non. Les tags, ce n'est pas des vidéos normales. Les vidéos normales, c'est les vidéos où on fait ce qu'on aime, ce qu'on veut partager, qu'on est content de partager. Voilà quoi, c'est ce qu'on aime. C'est mieux être original qu'un espèce de mouton là, qui vient sur YouTube pour être famous, ce truc-là. Croyez pas que YouTube, c'est ça. Hein. Oui, en gros, YouTube, c'est pas simple. Il faut être assez mature pour arriver dessus. Il faut savoir à quoi s'attendre. Il faut avoir un minimum de matériel, il faut avoir la patience, il faut, être prêt quoi. Parce que tu te lances pas dans rien. C'est plus compliqué qu'on ne le pense. Quoi d'autre je pourrais vous dire? Bien sûr, tous ceux qui veulent s'aventurer dans YouTube, eh ben, je ne vous dis pas non. Allez-y, jetez-vous, ça va être cool. C'est une aventure, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on expérimente. Mais ne vous attendez pas à un truc énorme ou genre vous êtes trop proche de vous abonner, un truc comme ça, je me disais pareil au début. Franchement, je vous le cache pas, on a souvent marre parce que dans les commentaires on se retrouve toujours avec les mêmes questions. Oui, c'est quoi ton appareil photo? Oui, c'est quoi ton logiciel de montage? Regardez dans la barre d'infos. Si vous le trouvez pas dans la barre d'infos, et bien regardez sur les anciennes vidéos, c'est sûrement écrit. C'est sûrement dit quelque part parce que ces questions, tous les youtubeurs en ont marre. On répond plus aux commentaires à cause de ça parce que on a tout le temps la même question. Oui, c'est quoi ton appareil photo? C'est quoi ton logiciel de montage? Bah, je vais vous le dire tout de suite. Mon appareil photo, c'est un Canon 1200D. Mon logiciel de montage, c'est Movie Maker. Et mon trépied, il vient de se casser. Aussi, je vais en profiter pour dire merci pour les 10 000 abonnés. Ça fait juste super plaisir. Et un deuxième truc, j'ai une petite surprise pour vous bientôt. La vidéo sur le bouddhisme, ça va pas être rien. Ça va être tout un truc. Ça va être trop cool. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Et je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.